Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est le vendredi 24, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est jour bas, donc jour de repos, il n'y a pas de training. Au programme, je vais aller jusqu'à la salle, donc je vais marcher jusqu'à la salle, ça me permet de faire mon HIIT. Je vais shooter Roman dans un premier temps, puis je vais shooter Jordan. Entre-temps, je vais bosser un petit peu mon posing. Tout ça, les trucs que je fais tous les jours, quoi, tout simple. Et vu qu'aujourd'hui on est en jour de repos, pour le petit déj c'était un petit peu différent. Donc d'habitude j'ai mes 6 œufs, mes 100 grammes de champignons et de l'avoine. Donc là j'ai pas d'avoine aujourd'hui. J'ai pas de crème de riz, j'ai pas d'avoine, j'ai rien, juste de la protéine, etc. Et du coup, à la place j'ai des noix de macadamia. Donc ça passe quand même très très bien, ça fait plaisir. Donc je regarde l'heure, là d'ici une petite demi-heure on va partir jusqu'à la salle. J'en ai pour environ 50 minutes, 1 heure de marche. Ça me fait du bien, ça me réveille, je profite, il fait beau, donc ça fait plaisir. Pour rappel, Jordan, c'est un IFBB Pro qui était passé pro en classique physique en 2021, donc en Espagne. Donc super, super athlète, il avait apporté une condition exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, et il est toujours en bonne forme. Donc on va le shooter, on va essayer de prendre des plans sympas. Pour rappel, au fait, je prends des places de coaching pour l'été. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. On est sur des tarifs attractifs malgré tout. Donc je vous laisse prendre connaissance avec moi de tout ça et me dire votre objectif pour voir comment on pourrait l'atteindre ensemble si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Allez, je finis de traiter tout ça rapidement et on part à la salle. Let's go. Hop. Salut à tous, on se retrouve pour une séance jambes. Yes, let's go. Oula, c'est filmé de très près. Mon dieu, oula, j'ai l'air orange, je dirais Donald Trump. Ah oui. Quel résumé. Il est pas comme ça en vrai. Hein. Bon bref. Ça pour dire de manière très zoomée que là on fait le premier shooting. Donc oui, c'est zoomé parce que j'ai un objectif différent. Premier shooting avec madame. Hop, le génie derrière beaucoup de choses. Bon, mal, mon plus grand soutien. Let's go. Les amis, on est rentré à la maison. Donc, comme vous avez pu le voir, on a shooté Roman, on a shooté Jordan. Suite à ça, bon, aujourd'hui, jour bas, donc pas de training, comme j'ai dit. Donc, moins de calories, moins de glucides. Je vous cache pas, c'était compliqué. Donc, bon, comme chaque jour, sur le chemin du retour, je commence à me taper ma petite hypo quotidienne. Donc, on commence à s'habituer, ça fait plaisir. Sans elle, ça serait pas pareil. Mais bon, voilà, ce jour-là, c'est un petit peu plus chaud à tirer. Après, voilà, il reste qu'une semaine, c'est ce que je me dis. Donc, c'est normal qu'à ce moment-là, je sois dans le mal. Voilà, si c'est pas maintenant, ce serait quand? Donc, pour vous expliquer un petit peu, encore une fois, je fais pas ça pour me plaindre, quoi que ce soit. Vraiment, c'est juste pour que vous ayez, à travers ces vlogs, mon expérience la plus transparente et la plus honnête possible. Donc là, en fait, les symptômes, c'est juste que, bah, clairement, cramé, on peut rien faire, on commence à plus réfléchir, on se sent irritable pour rien. Chaque effort de mémoire, quoi que ce soit, ça commence à devenir compliqué. On a du mal à s'exprimer un petit peu plus d'ailleurs. La concentration, pareil, les écrans, enfin les trucs comme ça déboîte un petit peu. Et là, bah, par exemple, tout à l'heure, je devais... Pardon. Tout à l'heure, je devais marcher un petit peu jusqu'au bus et... Bon, ça fait une semaine et demie, je crois que j'ai pas fait les jambes, mais j'avais mal aux hanches, mal aux jambes, j'arrivais pas à marcher. Donc voilà.
Comme ça, vous avez les retours sincères. Aujourd'hui, j'ai pris une grande décision par rapport à la vidéo d'hier, par rapport au fait de savoir si je devais concourir en mens ou en classique physique. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'en parle juste après. Là, je vais me reposer un petit peu, j'ai monté les photos, donc je suis cramé, je prends une petite pause sur les écrans, et je vous retrouve juste après au moment où je prends ma collation pour vous expliquer tout ça. Restez jusqu'à la fin, les gars. Bon, les amis, on a continué, fini plus ou moins de faire les photos qu'on avait fait ce matin. Donc voilà, le premier shooting avec Roman, il y a ce genre de photo qui est sorti. Le deuxième shooting avec Jordan, il y a ce genre de photo qui est sorti. Donc encore une fois, sur LBT et sur leur compte respectif, vous trouverez tout. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, si jamais il y a des personnes qui sont compétiteurs qui me regardent, je serai présent sur ces dates-là. Donc le top de Colmar, donc pour les photos. La North Classic Cup et l'événement NPC régional de Lille. Donc tout ça, ça sera possible de booker directement sur LBT Productions vos photos, si vous voulez des photos de scène, des photos de backstage, etc. de qualité professionnelle. Donc je vous laisse m'envoyer un message et réserver directement. Pour ces deux premières dates, je vais pas tarder à bloquer les créneaux, donc à plus prendre personne. Donc dépêchez-vous, c'est quand même plus intéressant si vous voulez vos meilleurs souvenirs. Et du coup, j'en profite pour vous parler de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Bon, écoutez, le sujet d'hier de la vidéo, c'était de savoir si c'était plus judicieux de passer en classique physique, enfin, de faire les deux catégories. Et la réponse, c'est que ce ne sera pas le cas sur cette saison-là. Pourquoi ? Je m'explique. Le but, c'est que voilà, je me suis préparé pendant longtemps pour mens physique. Donc, ça fait un an que je me suis dit « focus mens physique à 100% ». Et en mens physique, il y a possibilité de faire des choses. Avec le package qu'on amène maintenant, avec les comparaisons de la personne qui a gagné l'année dernière, etc., on peut se projeter à peu près. Bien sûr, on ne saura jamais contre qui on est, et je peux tomber contre une personne qui est exceptionnelle. J'ai vu certains de mes adversaires, même si j'essaie de pas trop regarder, qui sont exceptionnels. Donc on ne sait jamais sur scène à quoi ressemble, à côté des autres d'ailleurs. Mais je pense que c'est une caté qui me correspond bien pour le moment. Classique physique, oui, alors il y a le fait que j'ai pas le poids, etc., ça c'est pas encore trop grave. La ligne est là, ok, mais c'est juste que il reste des trous à combler et je veux pas avoir être mitigé entre des résultats qui peut-être pourraient être bons en mens physique et seraient moins bons en classique physique. Je veux vivre l'expérience à 100%, donc en mens physique, pour pas avoir de regrets et pas me dire « Ah, fais chier parce que en classique, j'ai pas... » Voilà, je veux vraiment rester focus à 100% sur ça, de toute façon faire mon passage et après profiter de la journée, profiter du show, profiter de mes proches, etc. Et par contre, c'est sûr que sur une prochaine saison, pourquoi pas la prochaine d'ailleurs, on verra en fonction de comment le off-saison se passe, quels résultats j'ai sur cette compétition-là déjà. Et à partir de là, on verra quand est-ce qu'on repart, quand on aura comblé les trous nécessaires. Mais voilà, pour l'instant, je me tiens à ça, parce que la ligne est adaptée, bien qu'elle le sera aussi à terme pour classique, j'en doute pas du tout. Mais voilà, pour l'instant, je vais me faire kiffer, j'ai posé sur ça, je me suis entraîné sur ça, c'est le plus judicieux. Donc, ce sera pas pour cette fois-ci, mais l'heure arrivera pour le classique physique très bientôt. Bon les amis, il me reste un repas à manger. Donc là, j'ai mangé ma whey, je l'ai fait en crème. J'avais que de la whey et des noix de macadamia parce que c'est le jour bas. Je l'ai fait un petit peu glacé et reposé au frigo pour que ça fasse une petite crème. Donc c'est pas mal. Surtout que les whey de Fitness World Nutrition se marient très très bien et se prêtent très très bien au fait d'être en crème. Donc bon, ben, je vous mets les liens comme d'abord en description si jamais ça vous intéresse. C'est un petit tips de la diète qui vraiment 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 fait la différence. Donc là il est environ 17h, je vais continuer sur l'ordi un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette fois-ci, ce sera très bien, on a discuté. Vous avez vu un petit peu le posing de ce matin. Demain on reprend le training, on a un shooting, deux shootings, je sais plus, on verra demain. J'ai noté dans le planning, ça bouge vite ces temps-ci. Et demain surtout on fait le bilan, donc on va voir comment cette semaine le poids a bougé, le posing a bougé, le physique a bougé de manière objective face à la lumière du soleil juste derrière là. Donc on verra tout ça. Écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous, merci aux personnes qui soutiennent, si vous avez des questions sur la prep, si vous avez des remarques à faire pour la vidéo, des choses que vous voulez voir un petit peu plus, etc., faites-le moi savoir. Moi de toute façon, je vous tiendrai au courant à chaque fois de l'avancée de la prep ici et sur Instagram, mais surtout ici vous aurez le détail de mes journées, donc ça c'est cool, c'est plus important. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, des gros bisous et à demain, ciao ciao.